quand on met Fally et Maître Gims face à face, chanter, est-ce que Fally peut s'en sortir vraiment? Quand on écoute la voix de Maître Gims et Fally, on voit automatiquement et directement qu'il y a un amateur et un musicien. Maître Gims était un musicien né, il est né musicien, mais Fally c'était un petit produit fabriqué par Koffi Olomide. Ah, bonjour la famille, c'est toujours Gilmas. Affaire du patriotisme congolais, c'est là où je suis aujourd'hui. Je pense que, comme d'autres personnes l'ont dit, mais oublier quelque chose. À part Inosbi, le jeune leader, d'être aux côtés de plus démunis de la communauté, il a sauvé les gens à Goma Volcan. Il a été toujours aux côtés des déplacés, Inosbi. Il a toujours œuvré aux côtés du faible. Fally l'a fait, on a vu, il est parti à l'hôpital, il l'a fait. Mais vous oubliez que Maître Gims aussi l'avait fait. Il avait payé les frais médicaux de 500 femmes. 500 femmes, ce n'est pas 30, ce n'est pas 40. 500 femmes. Les choses qu'il fallait être en train de faire, moi j'encourage ça, puisque c'est une œuvre humanitaire. Mais quand vous allez dire qu'il a fait 100 000 $, on voit le nombre de personnes qu'il a fait sortir, ce n'est même pas 10 000 $. Il faut arrêter de mentir les gens. Essayez de mentir. La personne qui a fait même... La personne que vous insultez chaque jour jusqu'à aujourd'hui, il n'est même pas habitué à la vie congolaise. Mais le jour où il est arrivé au Congo, il a payé les frais des hôpitaux, frais médicaux. 500 personnes, Maître Gims l'a fait. Pourquoi vous voulez toujours montrer au monde que c'est Maître Gims qui est mauvais, Fally est bon? S'il y a de bonnes choses qu'il faut dire, qu'il faut dénoncer, il faut les dénoncer. Tous ces déjà-là font la fierté de la musique congolaise. Tous ces déjà font des œuvres de charité. Il y a d'autres œuvres que Maître Gims fait à travers son frère Dadju. Il ne faut pas oublier cela. Mes chers amis, pourquoi vous voulez montrer seulement au monde que c'est Fally qui est bon? Tout le monde va venir faire des émissions juste pour clouer Maître Gims. Tout le monde est censé dépasser à la télévision juste pour montrer au monde que Maître Gims n'est pas bon, c'est Fally qui est le meilleur. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quelle sorte de chroniqueur? Quelle sorte d'analyste? Au moment où je vous parle, nous avons au Congo, Mohombi, il y a beaucoup de gens qui ne parle pas de Mohombi. Mais ce qui ne parle pas beaucoup, mais qui est toujours œuvré aux côtés des plus démunis. Le musicien qui a beaucoup reçu aussi des récompenses, comme des trophées, des disques, Monsieur Mohombi, mais ne parle pas beaucoup. Il est au Congo, il habite au Congo, il vit au Congo, mais ne parle pas beaucoup. Mais tous ces gens-là, vous êtes obligé, c'est comme si on vous a payé pour ignorer les œuvres que Monsieur Mohombi fait sur les marches, sur place au Congo. Vous oubliez ce que Inosbi fait, vous avez oublié ce que Werason fait. Vous misez sur les œuvres de Fally Ipupa. Et Fally Ipupa a fait quelques œuvres. Et il y a des œuvres que Fally fait, ce n'est pas lui. Lui, il les fait au nom de d'autres personnes. Ce n'est pas lui qui les fait. Il les fait au nom d'autres personnes. Maître Gims l'a fait à son nom propre. Inosbi l'a fait à son nom propre. Werason l'a fait à son nom propre. Mais Fally les fait au nom d'autres personnes. Fally peut vous donner 1 million de dons, 10 millions de dons, mais tant que ses mains sont souillées, tant qu'il est entré, il continue à manger avec les Rwandais comme Kagame, on ne peut pas applaudir ces œuvres-là. Il sera toujours un traître et va rester un traître. Un homme qui collabore, qui coopère avec les sanguinaires, l'homme qui tue les Congolais chaque jour, que tout le monde connaît, que le monde entier a toujours dénoncé Kagame, mais on voit toujours Fally Ipupa s'attacher à côté de ce monsieur-là. Et puis vous voulez qu'on puisse applaudir Fally? Moi je vais applaudir Maître Gims 1000 fois
tant qu'il est, il n'est pas souillé, tant que ses mains seront toujours blanches, juste pour protéger sa nation, je vais le protéger, je vais toujours parler positivement de lui. Un messie, soit disait il est meilleur, Fally Ipupa, soit disait, vous aviez dit d'abord le numéro 1 d'Afrique. On vous a montré qu'il n'est pas numéro 1 d'Afrique. Vous avez changé, il est devenu numéro 1 de l'Afrique centrale et de l'Afrique francophone. On vous montre maintenant que Mombi a des disques, plus de disques que lui. Il est francophone aussi. On vous montre aussi que Afrique est francophone. On vous montre aussi que Aya Nakamura a plus de disques que lui. On vous montre que Maître Gims, attaque francophone, a des disques que lui. Aujourd'hui, vous allez dire Afrique centrale. Mombi sera Afrique centrale. Maître Gims, Afrique centrale. Vous allez classer Afrique d'où? Numéro 1 de quelle Afrique? Vous allez les placer les meilleurs de quelle Afrique? Puisque des réalités sont là. Maintenant, vous commencez à dire Babengi est pour la Coupe d'Afrique en 2023. On s'en fout. Maître Gims a joué Coupe du Monde. Si Maître Gims joue Coupe du Monde, Fally, on le met en Coupe d'Afrique. Qui est grand? Qui est grand par rapport à ces deux-là? Si Maître Gims va apprester à la Coupe du Monde au Qatar, Fally, on a soi-disant premier, il n'est même pas cité parmi les gens qui iront. Mais comme il est camarade de Samuel Eto'o, de tous ces gens-là, de Drogba, c'est qui les canalise pour jouer de telles choses. Fally, quand il va jouer là-bas, ce n'est pas une sélection. On ne les sélectionne pas. Mais il est nommé par les amis. On les nomme, on les propulse là-bas. Ce sont des réalités qu'il faut dire aux gens. Et puis vous allez dire, il a fait ceci. Tout ce que Fally a fait, il n'y a pas de nouveau. Il y a les gens qui l'ont fait avant lui. Vous avez dit que Fally, il est numéro un de tout l'État, depuis les Bawendo jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, comme vous dites des choses sans réfléchir, quand vous relatez des choses sans penser, il y a les réalités maintenant qui commencent à vous retrouver, à vous attraper aujourd'hui. Vous avez dit le numéro 1 de tous les temps. On vous a montré les trophées que Maître Gims a, les disques que Maître Gims a. Aujourd'hui, vous êtes qui? Vous aviez fermé vos bouches. Vous aviez dit qu'il était numéro 1. On vous a donné le nombre de disques de Koffi Olomide. Vous êtes devenu bouche bée. Vous aviez parlé de concerts. Quand on vous montre, on vous présente les spectacles que M. Werrason a fait dans sa vie, vous n'êtes pas capable à nous donner ce qui est les faits, les réels. Même Bercy de Fally Ipupa, c'est perdu dans les réseaux sociaux. Ça n'existe pas. À part la division que Fally est en train de créer dans la communauté, la division, la haine que Fally est en train de créer au sein des musiciens, qu'est-ce que Fally a de bon? Qu'est-ce que Fally a de bon? À part le sang des Congolais sur ses mains, quand il prend son temps à manger avec Kagame. Quand vous incitez Fachi, vous incitez chaque jour Fachi, 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 Kagame, Kagame. N'oubliez pas qu'il y a Fally à côté de cela. N'oubliez pas qu'il y a Fally qui est en train de jouer la même danse, la même carte avec Fachi, tous derrière Kagame. Si vous allez clouer M. Tshisekedi, Fachi, qu'il est en train de favoriser les Rwandais, il faut savoir aussi que Fally, il est dans la même collimation. Il a des dans l'entourage de Fally, il y a des Rwandais. Ceux qui ne sont pas développés, quelques Gattuso. Les Gattuso, c'est le nom des Rwandais. Groupe de Fally, entourage de Fally. Il ne faut pas nous amener des mensonges. Nous, on connaît la réalité, on connaît des vérités. Un sanguinaire, Fally, c'était sanguinaire. Il a tué les gens au stade des martyrs. Il continue à tuer les gens. Il continue à coopérer, à collaborer avec Kagame. On a vu des photos que ça date de 3, 4 ans. On a vu des photos. Aujourd'hui, il a encore forcé, il a encore enfoncé la colère, il a encore enfoncé le clou en nous présentant Macron, l'homme qui est en train de planifier comment détruire le Congo. Lui, il mange avec de telles personnes. Et puis vous voulez que nous puissions l'applaudir. Ça ne va pas passer, mes chers amis.
Maître Gims, il a joué, il a fait Coupe du Monde, spectacle, finale. Pas au début, pas au milieu, mais il a fait le finale. Numéro 1. Quand on veut parler de numéro 1, il faut parler de Maître Gims. Même Dadju, il est mieux que Fally. Comment vous pouvez comparer de telles personnes? Comment ça? Comment comparer Dadju? Comment comparer Maître Gims? Comment comparer Mohombi à un petit aventurier dans la musique? Je ne pense pas que aujourd'hui c'était un beau jour pour moi pour faire la vidéo. J'ai besoin de doser et puis de donner à Fally la chance de changer. Mais sinon, je vais maintenant commencer à attaquer, contre-attaquer tous les communicateurs de Fally. Je vais commencer à les suivre de près, écouter ce qu'il faut et puis vous relater la vérité. Puisque elles viennent avec des mensonges, moi je vais commencer à vous relater des réalités qui sont derrière leur analyse. Vous pensez que quand les fans vous disent que vous êtes meilleur analyste, vous faites du bien, on aime vos analyses, c'est vos des fans, ils sont des Wario. Mais les gens qui ne sont pas des Wario, les gens qui sont nets, ils vous voient comme des Zoba. Je ne comprends même pas comment un monsieur peut porter une veste, passer à la télé, commencer à dire, à présenter des qualités de Fally au détriment de Maître Gims. Quand on met Fally et Maître Gims face à face chanter, est-ce que Fally peut s'en sortir?